Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment partager un formulaire Google Forms avec tes collègues de manière à ce qu'ils s'en fassent une copie. Donc ici, j'ai un formulaire que j'ai déjà créé. Il y a des réponses de mes élèves dans ce formulaire et j'aimerais que mes collègues puissent se servir du même formulaire, mais qu'ils s'en fassent une copie pour ne pas recevoir les réponses de leurs élèves dans ce formulaire-ci. J'aimerais qu'eux reçoivent les réponses de leurs élèves. Pour faire ça, je vais tout simplement aller ajouter des collaborateurs pour ce formulaire. Donc, en appuyant sur les trois petits points, je sélectionne Ajouter des collaborateurs. Et c'est ici qu'on va avoir l'accès général qu'on va modifier. Donc, soit qu'on décide de partager à des collègues seulement dans le même centre de service scolaire que moi, ou je pourrais également le partager avec des collègues qui sont dans un autre centre de service scolaire. Donc, je vais choisir cette option. On voit que les gens seront éditeurs. Donc, je copie le lien de l'éditeur et j'appuie sur Terminer. C'est ce lien que je viens de copier que je vais partager de façon un peu modifiée à mes collègues. Je vous montre. Donc, le lien que je viens d'obtenir, c'est celui-ci. Mais je vais un peu le modifier avant de le partager à mes collègues. Donc, à la fin, à partir de la dernière barre oblique, je vais modifier et inscrire copie. C'est ce lien que je vais copier et envoyer à mes collègues. Ce lien-là, c'est un lien pour créer automatiquement des copies du formulaire. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on est connecté dans Google, on m'oblige à faire une copie de ce formulaire avant de pouvoir l'utiliser ou encore le modifier. Voilà, c'était comment partager un formulaire en copie.